Dis-moi, tu sais que j'ai eu Jacques Expert, il veut faire une soirée Baffy sur Paris Première. Non. Ouais. Une soirée spéciale sur moi? Ouais. Quel jour? Le 8 avril. T'es sûr que c'est pas le 1er avril? Non, le 8 avril. Il y aura quoi dedans? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont mettre ta pièce? Sexe, magouille et culture générale. Exactement. Tes meilleures caméras cachées, hot dog, ton court-métrage, et puis le dîner qu'on avait fait pour la sortie des clés de bagnole ici avec Bigard, Rousseau, Célène, Chabat et Jamel. C'est bien, hein? Qui a eu l'idée de ma soirée? Ben, c'est Jacques Expert. D'où le nom. Voilà, d'où le nom. Mais tu l'as capté, ta pièce? Oui. Ah ouais? Ouais. Et alors? Bah, ça fait bizarre d'immortaliser le bébé, quoi. C'est un truc évolutif qui a bougé. Le truc est d'impro tous les soirs, comment tu peux le... Il y a 5 heures de bonus. 5 jours de bonus. On a filmé pendant 4 ans. On a fait les cons dans tous les théâtres, on a foutu le bordel partout. T'as tout filmé? Tout filmé, on est en Belgique. Ouais. Et on nous demande de faire le journal télévisé à 13h. Ouais. On est en tournée. Moi, je suis crevé, on se couche tard, je ne suis pas un lève-tôt. Je dis, c'est hors de question. Ouais. Et il nous dit, c'est pas possible, c'est le journal, c'est le perno. Local, vous devez venir. Je dis d'accord, à une condition, on n'a pas le temps de s'habiller, on y va tous en peignoir. Et ils ont fait Vous êtes arrivés en peignoir. On est arrivés en peignoir. Le journal télévisé belge. Le journal télévisé belge, au 13h, tous en peignoir. Et ouais, je l'ai. Oui, c'est bien. On a fait France 2 en string, on a fait... C'est bien. Gilles. Oui. Au secours, il me parle de sa pièce. Il est où, Bourges, Gilles, hein? Il a pas sonné pour l'instant, non? Non, mais des fois, attends. Bourges, il est timide, hein. Il peut rester 20 minutes sans sonner. Non, il est sur son compte à soi. Faut le savoir. Non, tu mais surveille. Peut-être qu'il n'ose pas sonner. Jette un œil dans le Judas, hein, parce que peut-être il est derrière à se ronger les ongles. Hein. Non, c'est un bileur. Bah, il a l'air comme ça un peu, mais. Ouais. Non, c'est un gros. Il a l'air d'habitude. C'est comme le mec qui dîne tout seul au resto. Ouais. Et puis, il est en train de manger, puis il voit comme ça un serveur qui se gratte le cul. Oui, bonsoir. Une fois, ça lui coupe l'appétit, deux fois, trois fois, ou trois fois, il l'appelle, et puis garçon, oui, vous avez des hémorroïdes, et puis il dit, je ne sais pas, je vais demander au chef. Tu vois? Oui, ça, c'est de la vanne corpo, ça. C'est de la vanne de cuisine. Voilà. Ça, demain... J'ai tous les segments dans mon ordinateur. Du Boston, ça, à mon avis, c'est bon. Je te fais une vanne d'électricien après son arrivée. Ah oui, d'accord. T'as une même de patron de la télé, c'est Bourges? Ah, tu vois, ça m'étonnait. À l'époque, il disait c'est le président. Bah, mais c'est Bourges. C'est l'autre con. Ouais, c'est lui. Je suis pas prête. Ça te fait plaisir de le revoir? Ouais. Hein? Ah oui, il était super sympa avec moi l'autre jour. Président. Mon cher Thierry, vous allez bien? Ça me fait plaisir de vous voir. Écoutez, c'est gentil. C'est une surprise pour vous. Ah, ça va. Vous m'avez dit, président, quand vous êtes venu, merci. À Tout le monde en parle, vous m'avez dit, c'est dommage, je suis content d'être là, Thierry, mais il n'y a pas Baffy. C'est vrai. Donc ce soir... C'est vrai, d'ailleurs vous m'aviez passé le téléphone, ouais, et on a parlé un peu, vous et j'ai dit que plus je regardais, plus j'appréciais. Voilà. Ouais. Mettez-vous à l'aise, président. Voilà. Très bien, merci. Donnez-moi un bon manteau. Voilà. Non. Merci. Oui, il fait un peu les poches. Pardon? Il fait un peu les poches. Ah bon? Oui. Mais c'est pour ça que j'ai laissé. Il fait un peu les poches, Gilles. Ah ouais, Gilles. Gilles, tu fouilles pas, ça Gilles. Hein. Ça va très bien. Et vous? Bah, très bien, ouais, tout va bien. Bien, bravo Gilles, de la porcelaine. Truc inestimable que je voulais offrir en précédent, bravo. Voilà une belle cuisine. Une vraie cuisine, essayez vos poissons. Ça vous fait plaisir de voir Laurent, là? Oui, je suis très content. C'est vrai, c'est sincère. Mais... content de le voir, j'apprécie ça, la vigueur et la rapidité de ses réparties. Ouais. Hein? Et c'est jamais à côté de la plaque. Le président du CSA. C'est une constatation. Le président du CSA, TF1, c'est choquant parfois. Non, moins, mais je trouve que c'est mieux. Ah, vous trouvez qu'il est moins choquant qu'avant? Ah ben, à certains moments, il était tombé un petit peu dans la vulgarité, il y a très longtemps. Et puis moi, je trouve que maintenant, il est malin, il est fait rire, intelligemment, ce qui est quand même une chose assez rare aujourd'hui. Ouais, ouais. Et il a un esprit de répartie. J'ai constaté qu'il fait rire les autres aussi, hein, y compris les plus sérieux. Hein. Oui, mais après un truc, l'espace. Mais après un truc, Baffy, en fait, dans la vie. Oui. C'est qu'en fait, n'importe quel personnage, même le plus haut placé... Oui. A été un enfant. Oui. Donc si vous arrivez, et si vous êtes déférent, le type va vous regarder de haut et va vous faire payer votre infériorité. Oui. Mais si vous jouez avec lui, si vous commencez à lui dire « Ah, dis donc, toi, là, t'as vu ce que t'as là et tout oui. ?» Si vous jouez comme avec un gosse, le mec va craquer. Surtout que, et c'est pas négatif ce que je dis là, au contraire, Baffy a une âme d'enfant. Voilà. C'est vrai. Bon. À la vôtre, président. Bon, ben écoutez, Thierry, à vous. À la vôtre, hein.
Santé, bonheur et joie dans ta sœur. Voilà. Et votre bouquin, ça marche ? Écoutez, il vient d'être mis en vente, hein. J'en sais rien, moi. C'est, ouais. Faut que tu le lises, Laurent, il parle de nous. Oui, mais pas seulement. Je crois dire des choses un petit peu à contre-courant. La grossièreté se trouve ailleurs, ouais. Elle se trouve dans la télé-réalité, dans ouais. Un certain nombre d'émissions qui moi, me paraissent beaucoup plus grossières que les grossièretés les gens, tous les jours. Les gens ne savent pas. L'autre jour, on avait la princesse de Kent. Oui. La princesse de Kent vient pour son bouquin sur Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Et puis après l'interview, je lui dis, quand même, votre père était nazi, vous-même, vous avez défendu Harry. Oui. Celui qui a mis la croix gammée, votre père était nazi, etc. Il me dit, oui, mais à l'époque, vous savez, tout le monde était nazi. Je dis, non, d'abord, tout le monde n'était pas nazi à l'époque. Bon. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, il faudrait le couper. Et je dis, pourquoi ? Elle m'a dit, parce que c'est de mauvais goût. Je dis, non, ce qui est de mauvais goût, c'est d'être nazi. Ben oui, monsieur. Voilà. Très conscient, ça, vous parlez de la tête que personne ne comprend. Et la santé, vous marchez, vous êtes venu à pied, là. Bien sûr. C'est que là. C'est ici. C'est là ? Attends, je vais faire son de mine brute, en plus. Bonsoir. 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 Oui, au quatrième étage. Merci. Je vais rester dehors. J'ai l'énorme râteau. Non, non. Mais vous savez, Hervé va de chez lui à son bureau sans... Trois quarts d'heure, tous les jours. Quand les gens me voient dans la rue, toujours, je vous imaginais plus grand. Ouais. Et après, j'aime pas votre gueule, cassez-vous. Mais en premier, c'est... Vous avez raison, moi, tous les manifs et je refasse du sport. Deux fois par semaine. C'est vraiment ça, mais tu fais des rencontres quand tu marches, que tu ne fais pas quand tu es avec le chauffeur. Hein? Des rencontres extraordinaires, oui. Attends, je vais me mettre là pour être à la taille. Meilleur effet. Surprise. Bonjour. Messieurs, bonsoir. 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 Il y a personne. Confirme-moi vos manteaux, s'il vous plaît. Donne ça, hop. Et vous êtes attendu à la cuisine. Ah, c'est par là. Et la cuisine, ok. C'est là. Quoi ? Ah oui, comme tu peux. Salut, comment ça va ? Bonjour. 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 Ça va ? Je me lève plus parce que j'ai le dos cassé. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait ? Bah, je sais pas, justement. J'ai le dos cassé, faut que je fasse de la natation. Toi, tu peux encore manger. Je vais aller faire de la natation avec le président Bourges. Je demandais à Hervé si son livre marchait, il me disait qu'il ne savait pas encore. Non, c'est trop tôt. Ouais. Moi, je sais qu'ils sont repartis en retirage. J'ai su ça ce matin. Le tien ? Ouais, le mien, ouais. En général, quand on dit c'est trop tôt, c'est que ça se vend pas. C'est comme quand on dit ça se lit comme un roman, tu peux être sûr que c'est chiant. Vous avez vu son bouquin, président ? Oui, mais je sais que j'ai pas besoin de le lire. J'ai vu Le Parisien ce matin. Ouais. Et j'ai vu que vous gagnez beaucoup, mon cher Thierry. Hein, ah non, pas beaucoup, moi. Vous étiez très, très bien placé. Mais non, je suis le dernier salaire, moi. Je suis 21e, moi. Ça dépend ce qu'on appelle beaucoup, en fait. Tout est relatif. C'est là où tout est relatif. Non, tu es avec la petite je plaisante, là, mais... Non, vous avez vu, moi, je suis 21e. Moi, je suis derrière tout le monde, moi. Tu sais qu'Arthur m'a appelé ce matin ? Ouais. Pour me dire, le chiffre est pas bon, je gagne beaucoup moins. Il devait pas être content. Il est premier ex aequo, si je dis. Donc il m'a dit qu'il gagnait le premier, beaucoup. Le premier, c'est le lait. Ouais. Le deuxième, c'est Delarue. C'est ça ? Ouais, avec une astérisque. Ouais, il y a Delarue. Ah, c'est ça, avec. Mais 100, c'est juste les salaires, ça. Oui, c'est ça. La petite astérisque, c'est ça renvoie exactement. À la boîte de prod. Ouais. C'est ça. C'est ce que j'explique. Il y a deux classements. C'est pas les vrais salaires, ça. Parce qu'en réalité, ils se payent ce qu'ils veulent. Ils ont intérêt à pas beaucoup se payer. Ah bon ? Pour voir gagner plus d'argent. Pour voir gagner plus d'argent. Hyper bien glissé. Bravo, Thierry. Je vais le faire. Mais quel novice. Mais je vais le faire. On y a presque cru, là. Je sais pas ce que vont penser les smicards, qui sont déjà mécontents de voir certains scandales d'ordre politique et qui disent à côté de ça, bon, il gagne temps, etc. Bon. Ouais, c'est la vraie question aujourd'hui. Comment réagissent les gens par rapport à ça. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, La différence d'un autre métier qu'on connaît où ils sont bien payés, ils continuent à regarder la télé alors qu'ils vont plus voir le PSG. Oui, ça c'est vrai. Oui, animateur, Hervé, vous êtes placé pour savoir, c'est un boulot instable. Hein. Oui, ben oui. Regardez-moi, j'ai quand même passé 4 ans au bord de la route, pas à cause de vous, mais. C'est comme un footballeur. Ouais, c'est ça. Surtout, je trouve que ça n'a plus rien à dire. Parce qu'un footballeur, non. Un animateur, regardez Drucker, il n'a pas 30 ans. Non. Ça peut faire 60 ans. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à part les Drucker, Foucault. Regarde Chat, il gagne 120 000 euros par mois. Il ne gagne plus rien cette année. Quand vous regardez les salaires des responsables des chaînes de télévision publique,
et que vous comparez aux autres, moi j'ai été président de TF1. Ouais, ça gagne rien. Mon successeur a gagné 3-4 fois plus, ouais. Vous le savez, oui. Oui, moi à l'époque, je gagnais à l'époque, hein, ouais. Président de TF1 dans les années 83-85, c'était de l'ordre en francs à l'époque de 50 000 par mois. À l'époque. Ça faisait une quinzaine de SMIC de l'époque quand même. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le salaire de Tessier, tout le monde le connaît. C'est entre 15 et 20 000 euros à peu près. Elisabeth Tessier. Combien il gagne ? 100 000 ? Oui, en francs ? Oui, ouais. Ça fait 100 000. Et vous, 50 000, 100 000 et le président de TF1, c'est. C'est 220 000 euros. C'est 700 000 ou 1 million ? Donc ça fait 7 fois 2. Arthur a appelé pour dire quoi ? Pour dire que c'était pas ça son salaire et qu'il gagnait 25 000 euros. Non. J'étais sûr que ça faisait de la peine. Mais alors qu'est-ce qu'il répond quand tu lui dis « Oui, mais enfin Arthur, d'accord, on parle du salaire, mais les à côté. » Alors qu'est-ce qu'il dit quand tu lui dis ça ? Ce qui compte, c'est les salaires. Voilà. Téléphonica, qui a racheté en démol, me doit une fortune. Non, mais lui dit « Oui, effectivement, j'ai gagné beaucoup d'argent en vendant ma société, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mon salaire, c'est ça. » Et il m'a dit « Je peux même t'envoyer ma fiche de paye si je veux. » Oh oui. Et pour quel produit ? À l'antenne. Pour tout ce qu'il fait à l'antenne, me dit-il, oui, puisqu'il me dit qu'il... Oui, mais bon... Au niveau qualité, c'est oui, ça ? Oui, tout de même. Ça, c'est un autre débat. Ça vous plaît pas, Président ? Il y a un public. Ouais. Moi, il y a beaucoup d'émissions qui ne me plaisent pas, il y en a d'autres qui me... L'émission la plus vulgaire pour vous, c'est laquelle ? Il y en a beaucoup, j'en sais rien, moi. Bah, une fois, dans les chiffres et les lettres, une fois, ils ont mis enculé comme mot. Hein. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très vulgaire. Et c'est pourtant une émission respectable à la base. C'est du Baffi, de l'excellent Baffi. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être coupé. Dis-moi, tu as reçu Hervé Bourges dans ton émission pour son livre ? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont téléphoné ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Des choses plutôt sympathiques. Oui, c'était plutôt sympathique. On m'a appelé le gentilhomme. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Je me suis dit, tiens, c'est curieux, le gentilhomme de la télévision. C'est bien. C'est peut-être la première fois qu'on me dit ça, mais ça me fait plaisir. Ouais. Non, la seule attaque qu'il a eu, c'était sur les minorités visibles à la télévision. Oui. Où on lui disait, mais aujourd'hui, vous battez pour qu'il y ait de plus en plus de minorités visibles. Et pourquoi vous n'avez pas fait quand vous y étiez ? C'est un peu facile de se battre après coup. J'ai expliqué à l'époque comment c'était. J'ai rappelé quand même que j'étais le premier à introduire quelqu'un qui était foutu à la porte après par TF1, c'est Nadia Samir. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, j'ai recruté Nadia Samir, je l'ai mis à l'antenne en 84. Donc, mais c'est qui était speaking, non ? Oui, il y a quand même longtemps. C'est mieux que rien, mais c'est une personne. Attendez, mais j'en ai pris d'autres, et puis à l'époque, c'était extrêmement difficile, on n'en parlait pas. Ouais. Quand j'évoquais, est-ce que vous vous souvenez, quand j'ai été nommé président de TF1, je ne sais pas si vous vous souvenez, notre ami Bruno Mazur a fait, avec sa facétie habituelle, une fausse note de service, signée du nouveau PDG, Hervé Bourges, disant tous les vendredis, couscous à la cantine. Ah ouais. Tous les soirs, un sujet sur l'Afrique. Tous les week-ends, un truc sur le monde arabe. Parce que je venais avec cette réputation. De tiers-mondiste. Oui, c'est ça. Mohamed, on l'appelait à l'époque. Donc à l'époque, j'aurais recruté, on aurait dit, ça y est, qu'est-ce que c'est que ce type, etc. J'étais obligé de faire très attention. Ouais. Même si j'essayais de. Bah, c'est quand même moi qui ai lancé les nuits du ramadan. Hein, C'est vrai que ça m'intéresse de savoir quand on dit que c'était difficile à l'époque. C'était très difficile. Mais ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que les téléspectateurs écrivaient, les gens écrivaient ? C'est pas ça. Le pouvoir, la tutelle ? C'est même pas. Non, c'était bon, ben voilà, on n'imaginait pas qu'il y avait dans notre société des gens de couleur ou d'origine arabe qui pouvaient avoir du talent. Qui se manifestait ? Qui disait non ? Personne ne disait rien, mais c'était comme ça, c'était le non-dit. Et ça continuait jusqu'à il y a très peu de temps. Sur une certaine chaîne, à un certain moment, il était indiqué pour les fictions, il ne fallait pas de héros récurrents noirs ou arabes. Ah oui ? Oui. C'était TF1, ce que vous n'avez pas voulu dire, c'est ça ? Je ne dirais pas, non, c'est peut-être pas TF1, alors que ne cherchez pas. Non. Oui, bonsoir. Bonsoir, Elisabeth Chungi, Alain de Greffe. Au quatrième étage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, c'est artificiel. Mais surtout, si on commence à compter ça, il faut tout compter. Tout compter, ça n'a plus de sens. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est joli ici. C'est qui ? Confiez vos vêtements. C'est bon ce qu'ils ont préparé, hein, avec ah oui. Régalier, ouais. Ça m'étonne pas, ça. Reste aussi. Il y a 40 degrés ici. Voilà. Température. Passez à la cuisine d'abord. Merci. Je vous en prie.
Waouh. Il y a que des mecs ici. C'est quoi ce traquenard? Le vieux traquenard. Salut, ça va? Salut. On parlait du coca. Et ma fille a dit, tu vas voir, il va y avoir un noir. Il est pas mal le quota. Ouais, le quota, ça va. Grâce à Dieu, c'est une. Il était quand même temps que tu m'invites, parce que je sais que j'habite à 5 minutes de chez toi. Ah, t'es là, je te voyais plus. Voilà les blagues qui sont dans les beaux quartiers maintenant. Ouais. Où va-t-on? Où va la France? Et aujourd'hui, à TF1, il y a un black et il fait la météo, le mec. Mais il fait pas que la météo, justement. C'est vrai qu'au départ, il fallait se méfier des clichés. Genre le black qui fait la météo parce qu'il a le soleil dans la peau ou qui présente une émission de sport parce que c'est bien connu pour plus que les blancs ou la musique parce qu'ils ont un rythme dans la peau. Mais ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on sort des clichés. Il y a une black qui présente le journal sur France 3. Il y en a une qui présente le journal sur TV5 aussi, en l'occurrence. Voilà. Qui présente une émission culturelle sur France 5. Donc ça veut dire que les noirs pensent. Le c'est une grande nouveauté. Une grande révélation. Je reviens sur l'émission unique en plus. C'est très bien. C'est très bien. Non, n'empêche que Follin, il fait quoi? Il fait vidéo gag et la météo quand même, si tu veux, c'est pas... Mais il est pas vraiment noir, il est que métis. Le jour où il sera vraiment noir, il aura des programmes sérieux. D'une certaine manière, c'est amusant d'ailleurs de voir que c'est ce gouvernement qui a fait prendre conscience que les minorités dites visibles n'étaient pas... Oui, tout à fait, n'étaient pas... Non, mais Sarko était le premier dans ce pays à oser parler de discrimination positive. Avec le préfet. Le premier, ça a été ça a été moi. Mais le premier politique, ça a été maintenant. Alors, à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai réunissé les présidents de chaîne, par exemple, pour leur dire, attention, il y a un vrai problème, et il faut que vos programmes reflètent la réalité de la France d'aujourd'hui, qui est une réalité métissée. Bon, les gens disaient, bon, très bien, les uns disaient cause toujours, les autres, bon, on va faire ce qu'on peut. Et puis, le gouvernement s'est saisi de cette affaire et a dit, il faut que... Alors voilà, tout à coup, maintenant, ceux qui étaient les plus effacés dans ce domaine deviennent de vrais militants de la mixité, etc. Et on voit tout à coup des gens qui sont recrutés. Ouais. Le vrai problème, c'est un problème de société. Quand est-ce que notre société prendra conscience de ça? Et ça, c'est pas un texte réglementaire ou une loi qui fera évoluer les mentalités. Moi, je fais partie de la génération qui a essuyé les plâtres, c'est-à-dire j'ai juste dû me battre 4 fois plus que les autres. On m'a dit je suis une prise de risque, je suis segmentante. Oui, ça, je l'ai entendu déjà. Segmentante, c'est pas n'importe quoi, c'est un mot de sondage. Est-ce que tu as vu les sondages qui disent, faut quand même dire ce que c'est un truc technique, on s'aperçoit qu'il y a un segment de la population qui aime ça. Est-ce que tu as vu des résultats de sondage te concernant? Écoute, j'ai eu le mot, mais je sais juste, en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai décalage, en tout cas, dans la représentation des minorités visibles à la télé, entre la France d'en haut et la France d'en bas. La France d'en bas, moi je vais faire le Téléthon à Moissac, commenter des courses d'oie, etc. pour France 2. Et les gens, ils se disent pas « Ah, oh, c'est la présentatrice noire de France 2 », ils se disent « Ah, c'est la présentatrice », voilà. Voilà, c'est ça. En revanche, la France d'en haut, je vais en déplacement, Angoulême, festival de la bande dessinée, pour lui, etc. La France d'en haut, j'entends « Ah, j'aime beaucoup votre émission, et puis vraiment, vous avez une très bonne diction ». Ah, ben bien sûr, moi, il y en a à avoir appris le français. Tu bois de l'eau ? Eh oui, malheureusement, je suis condamné à ça pendant quelques mois. Et alors ? Mais ça va, j'y arrive. Quel effet ça fait ? Si tu veux, ça a été un bouleversement dans ma vie, mais maintenant ça fait 6 ans. Donc, et alors ? Non, j'y arrive très très bien, mais non, là, particulièrement en ce moment, avec les histoires de rayons en permanence, là, je peux plus, là, ça m'arrache la gueule si je bois de l'alcool, donc je touche pas. Mais sinon, bien sûr, dès qu'il y a du bon vin, j'en profite. Oui. Mais pas soi. Et t'en es où, toi, avec Canal? C'est fini depuis longtemps, plus de deux ans, c'est complètement... T'es plus directoire Oh là, non. Hein? Non, je sais plus rien. J'ai touché mes indemnes, tout va très bien, merci beaucoup. T'as plus besoin de travailler, là? J'ai pas eu autant que j'aurais souhaité, que mon contrat le stipulait, donc je me suis battu et ça m'a usé pendant 6 mois, ou un an et demi d'ailleurs plutôt. Mais ça va, je vais pas me plaindre, c'est pas tout à l'Europe, quoi, si tu veux. Pas du tout. Donc, ça va, tu sais comment il a eu l'indemnité, toi? Non. Si Morandini, il ne sait pas. Tu touches plus ou moins que Carlier? Je sais pas combien touche Carlier. 2200 euros par émission. C'est tout? 2000 euros, ça fait combien? 12 000, on va dire 13 000, 14 000. C'est beaucoup quand même. Laurent, il est largement au-dessus de ça. Heureusement,
le talent aussi. Non, c'est-à-dire qu'avec Gildas, le talent n'est pas Gildas, à la même hauteur, ça mérite quand même nettement plus de 2200. Tiens, tu sais qu'il m'a appelé après notre émission aussi, Carlier. Il est de plus en plus consensuel. Ouais, c'est vrai. Vraiment, vraiment. Et puis, ce truc, bon, ok, j'aime pas non plus Evelyne Thomas, ça va, ça suffit, quoi, c'est bien. Il y a 3-4 têtes turques, c'est fini, il faut arrêter. Moi, c'est la position que j'ai prise sur elle, c'est aller à terre, il faut arrêter. Oui, bonsoir. Bonsoir, Demina, Ben Guigui. Au quatrième étage, madame, s'il vous plaît. Gauche-droite. En face. Merci. Il y a un côté Al-Ali à la télé, quand même. Dans tous les business où il y a du pouvoir, de la gloire et de l'argent, il y a du Al-Ali. Il n'y a pas qu'à la télé. Dans le foot, c'est pareil. Un mec qui arrête de marquer des buts pendant 3 matchs, c'est devenu un connard. Non, il y a une grosse différence. C'est que dans le cas du football, c'est la presse qui fait l'Al-Ali. Là, c'est la télé, ce sont les gens eux-mêmes qui le font entre eux. C'est totalement différent. C'est pas les footballeurs qui se balancent entre eux. Ouais. Madame, bonsoir. Je vous en prie. Merci. Si vous voulez. Passez par là. Un petit tour en cuisine d'abord. Je continue ? Oui, oui, oui. On va passer à table. Comme ma beauté. Oh, hey. Les quotas sont respectés, président. Une blague, une beurre. Et deux femmes. Deux femmes, oui, on a. Mais on est loin de la parité. On attend la chinoise, on bouffe tout de suite. On va passer à table. Gilles, tu veux passer tout le monde à table? Oui. Comment il fait pas le milieu à la télé exactement. Moi je suis venu une fois, c'était pas très bon, c'est la seule fois où c'était pas très bon. Arrête. Et tu m'as dit je suis désolé. Non. Tu m'as dit je suis désolé. Yamina, tu es là. Voilà. Hervé, vous êtes là. Lolo Baffi ici. Vandal ici. De Greff ici. Et Elisabeth là-bas. Ce style de cette pièce, c'est grand style ou c'est rococo? C'est 1900 complètement. Ah bon, 1900, voilà. Ah oui, c'est les gens. On va visiter par Michou un peu quand même. Quand on a un grand. Thierry, je peux prendre un coussin? Non. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu as des fesses fragiles? Une... Non, mais c'est bien, non, mais j'adore que tu prennes. Ah, bah celui-là, il est péteur. C'est bien, ça va, non? Non, elle est géniale. Oh, elle peut regarder, elle protège ses fesses. Oh, c'est la première fois que je vois ça, un petit coussin pour ses fesses. C'est son côté oriental. On va même pas se voir. Mais oui, absolument, hein, tu vois, ça c'est ça. C'est le côté ça. Princesse orientale. On attend Pierre Belmar et on mange. Non, mais attendez, on peut parler, non? Si vous voulez devenir Pierre Belmar, on est obligé de se taire pour écouter les histoires extraordinaires. Et PPDA? Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a, PPDA? Non, c'est étonnant, non, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. C'est un jeu de Laurent. Oui. C'est... À chaque fois, boum, il dit un mot comme ça. Il dit Belmar pour voir ce qui se passe. Oui. Il a un procès. Jean Rocaf. Il est dans la première compagnie, là. Ah, oui, à son table. C'est terrible, ces gens, la première compagnie, qui sont obligés d'aller là pour essayer d'exister encore. C'est franchement une humiliation, là, quand même, extrêmement grave. Tu trouves ça SM, la première compagnie, c'est ça? Non, c'est moi qui ai rajouté oui, ça. Non, mais je suis pas d'accord, il y a effectivement une lecture SM, une lecture S en tout cas. Ouais. Mais voilà, tant pis, mais ce sont des gens qui connaissent le système, des semi-people et tout, ils savent très bien qu'ils vont en chier, ils décident d'en chier pour revenir à l'antenne. Pour faire quoi? Pour sortir un disque, pour le disque. En plus, pour revenir sur le devant de la scène. Pour exister médiatiquement. Quelle histoire il y a derrière tout ça? Ils ont envie d'exister, mais ils me font de la peine, moi, parce que quand on voit le pauvre Jean Roucas qui fait la première compagnie en espérant revenir en deuxième partie de soirée sur TF1, c'est ce qu'il dit avec une émission comique, et qu'on le voit en train de péter sur un banc un samedi à 19h sur TF1, je me dis qu'il est mort. Quel rapport avec l'horaire?
quand Mitterrand était en grenouille, c'était aussi bon que les guignols. Non, 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 c'était pas aussi bon que les guignols. Ah, bébé de chaud. Donc, président, quand vous faites un complément, il faut rectifier, en fait, d'accord. Je suis désolé, le bébé de chaud était quelque chose de particulier. Les guignols. Si, les premiers. Pendant toute une période. Ce qui avait de drôle, c'était la transgression. C'est parce qu'une soupape s'ouvrait, mais ça n'avait rien de drôle. Vous repassez les bandes maintenant, on est consterné. Mais quand vous reprenez le DVD des guignols, il y a plein de choses qui sont très, très drôles. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. C'était la France de Giscard, point. Non, c'était sous Mitterrand. Le bébé de chaud, c'est Mitterrand, c'est lié à Mitterrand, ça s'arrête avec Mitterrand. Et les guignols, c'est Chirac. Et ça s'arrêtera avec Chirac, malheureusement, en 2007. Mais voilà, c'est clair. Les guignols ont popularisé Alain de Grève. Mais ça, c'est franchement. C'est un hasard total parce que c'était un cadeau que m'avait fait Alain Duverne, le type qui fabrique les marionnettes, à la fin de la première année, mon anniversaire tombant au mois de juin, et je leur ai dit qu'on renouvelait l'émission au mois de mai, et donc au mois de juin, je me suis retrouvé le jour de mon anniversaire avec ma marionnette que j'ai emportée chez moi. Ils sont venus me la kidnapper, et ils s'en sont servis, et ils ne me l'ont jamais rendue. J'ai demandé en partant il y a 2 ans de Canal+, envoyé une petite statuette très jolie, mais qui n'a rien à voir avec le marionnette. C'était les premiers, les guignols, à utiliser les gens de la télé, c'est-à-dire à montrer Moujotte, le lait de greffe, l'escure. Ils ont popularisé Alain et moi, ils m'ont tué. Oui. Ils m'ont tué. Dur, ouais, ils ont été d'une violence inouïe. C'était très très dur. En plus, tous les soirs, c'était de l'acharnement. Ils ont été d'une violence inouïe. C'est ça qui est un peu dommage avec les guignols, c'est qu'il y a un côté bête noire. Allons. Non, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Moi, ça m'a fait énormément. Jean-Marc incarnait la lie de TF1, quoi. C'était ça, cette époque-là, c'était pour les guignols. Oui, mais Jean-Marc, regarde une chose, tu, à l'époque, toi tu venais du journalisme, tu faisais cette émission sur TF1, et aujourd'hui tu es retourné au journalisme. Donc en fait, tu es un journaliste qui a été dévoyé pendant quelques années. Mais moi, à l'époque, quand il m'attaquait pour entrevue, c'est pareil. J'étais dévoyé par rapport à ce que je sais faire. Regarde, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'était très mauvais de faire entrevue. Donc, quelque part, ils nous ont aidés quand même. Ah non, moi, ils m'ont fait du mal, franchement. Oui, mais du mal en profondeur. Oui, mais ils t'ont aidé. Ils t'ont aidé à comprendre que tout est possible. C'était de la merde. Oui, mais d'accord, ils m'ont aidé à le comprendre. Mais humainement, quand ça te détruit, humainement, quand tu te demandes si tu dois continuer ce métier, quand tu te demandes où aller, quand tu te demandes si. Tu vois, enfin, quand tu as des idées très noires à cause de ça, parce que tu te sens harcelé et tu as vraiment des idées noires dans ta vie. Voilà, à ce moment-là, tu dis qu'ils vont trop loin. Quand t'es tous les soirs à l'antenne et quand tous les soirs, systématiquement, on se fout de ta gueule et que les gens dans la rue, après, ont cette image, mais tu souffres en tant que personne, quoi. Non, le problème, c'est qu'ils cèdent à des facilités et ils s'acharnent sur des ficelles, alors que moi, à l'époque où je parlais au Corrigatio, et avant qu'il ne fasse ma marionnette, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas Le Pen? Il y a un potentiel énorme. Il m'a dit, non, mais ça, on ne sait pas le traiter. Donc, sous prétexte que le mec ne sait pas le traiter par manque de conviction, de talent, je ne sais pas quoi, donc il baisse les bras, il va s'acharner sur un virinque ou c'était ou drôle sur Virin. Je dis pas que c'était pas drôle. Pas jouer. Je dis que c'était pas drôle. Je dis que le mec qui ne sait pas traiter Le Pen, qu'il ne prenne pas le boulot. Quoi. Traiter Le Pen. Mais ça part toujours d'un truc vrai quand même, Laurent. Là, ça venait, moi, franchement, j'étais contre l'idée de l'utilisation de Le Pen. Mettre Le Pen et se marrer avec Le Pen, ça, il y a quelque chose qui me choquait. Moi, franchement, je leur ai demandé de retirer. Mais sur Laurent, là, à la mettre au placard, ponctuellement. J'étais d'accord. En même temps, Ben Laden. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ben Laden, quand c'était leur meilleur personnage de l'année. Meilleur personnage. Pas tout à fait la même proximité. Ah, non, je veux dire, c'est beaucoup plus vicieux, même dangerosité. Je vais te dire, c'est beaucoup plus vicieux parce que Ben Laden, quand on le transforme en épicier, quand notre grand truc, c'est décoloniser les imaginaires, on est dans quelque chose. Moi, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Plus le côté débonnaire, alors que c'est catastrophique, quoi, Ben Laden. On l'a assimilé à l'épicier arabe. Mais c'est grave. C'est très grave. Imagine comme c'est grave. Ta gueule connasse, ou je sais pas quoi, espèce de connasse. D'un seul coup, tu ramènes à quelque chose qui est ici, qui est de l'ordre de l'invisible. D'un coup, tu rends visible. D'un coup, le père maghrébin qui n'a jamais été justement visible à la télévision, on le ramène avec la tronche de Ben Laden, quoi. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai pas vécu du tout comme un truc où on dénonce Ben Laden. Il s'est passé un truc encore plus pervers sur le espèce de connasse. Je pense vraiment, pour les connaître, que c'est absolument pas des types misogynes et qui trouvent ça horrible. Non, ils lui font dire le hispice de connasse, et dans le public, les rires partent.
C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus peur. Mais évidemment, oui, mais après, c'est drôle, ils utilisaient parce connasse. Que les rires partaient. Donc, c'est devenu le gimmick. C'est là où c'est étrange. Je peux te dire un truc. Je t'ai vu te fermer. Petit à petit, quand il a commencé à sortir, j'avais d'autres problèmes à l'époque et je trouvais ça déplacé que d'en parler. Et je suis pas un type qui parle de sa vie privée, mais tu vois, je venais de perdre mon père, donc j'étais pas du tout dans ce trip-là. J'étais dans ma dépression et je voyais les gens m'enfoncer à terre. Je voyais ces connards qui font feu de tout bois et qui font des procès d'intention. Donc j'avais démonté la mécanique. Je voyais comment ils procédaient. Je voyais cet acharnement. Et j'avais simplement d'autres problèmes à régler. J'étais pas là, quoi. J'étais un hologramme, ouais. Quoi. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, je savais pas. Gildas, tu mettais la main sur la cuisse pour pas qu'il intervienne. C'est insensé. Ouais, ça, c'est terrible. Comment assumer son sniper? Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est quand tu prends Laurent Baffie, tu lui mets pas la main sur la cuisse pour qu'il parle pas. Tu vois, non, justement, au contraire, tu le lâches. C'est ce truc-là. Moi, je voudrais vous raconter une anecdote qui vient de m'arriver au César. Donc, j'ai remis un psy Isabelle, la présidente, etc., machin, tout ça. Je me prends la tête, je me dis à un moment donné, j'associe ça à la discrimination, etc. Tout se passe bien. J'arrive, je te jure. 14 secondes, Isabelle va rentrer en scène. Isabelle, c'est Adjani. Hein, Adjani, ça pour non, la présidente. Ah, j'étais sur Isabelle Aubray, moi. Non. Elle va. Merci. Et à ce moment-là, je me dis... Je maîtrise le truc, tout va bien. Et je te jure, il y a une chaise au milieu, entre le sas, entre la scène et derrière. Je me prends la chaise, je me fais le gadin de ma vie, je suis en sang et je rentre dans ma tête. Moi, je suis en kit. Et je sais même pas ce que j'ai vu. Bon, c'est pas du tout aperçu que tu t'es... Non, ça s'est pas vu. Mais alors qu'Isabelle Adjani, en revanche, oui, on a vu qu'elle n'y arrivait pas. Mais toi... Mais elle était absolument bien. Mais elle avait vraiment envie de pas venir... Ça fait 20 ans qu'elle refuse les Césars. Ouais. Enfin. Mais là, elle avait envie de faire passer un message de tolérance et en même temps, sans choquer le cinéma. Enfin, c'est quand tu essayes de... Ouais. Trop de choses à la fois. Enfin, vraiment. Ouais. Mais son message principal, elle n'était pas là juste pour venir... Bonjour, je suis Isabelle. Elle période de médiatisation, on la voit partout. Non, elle en faisait jamais avant. Ouais. Elle fait des interviews, des photos partout, les unes de tous les magazines. Non, mais ce que je... Non. Elle a en vraie période de médiatisation. Si tu me poses la question par rapport aux Césars, je te réponds sur les Césars. Non, mais le fait qu'elle ait accepté, à mon avis, c'est pas un hasard, quoi. Je pense que c'est dans un plan. Tu penses que c'est une stratégie de promo? Non, mais ce que veut dire Jean-Marc, en fait, c'est qu'Isabelle, elle fait moins de films en ce moment, ou quand elle fait des films, ils ont moins de succès. Oui. On voit bien, c'est un peu pathétique, quoi. C'est elle cherche à exister malgré la promo. Malgré tout, sans faire de film. Ça reste quand même une sacrée star. Oui, bien sûr, mais une des rares. Mais moi, je trouve qu'elle se gâche et quand elle fait la une des magazines en parlant de ses histoires d'amour, moi, je suis désolé, ça me choque. C'est pas Isabelle Jeannie que j'aime qui est une star. Quoi. Pendant des années, ça a été une star mystérieuse. Elle était géniale pour ça parce qu'elle était mystérieuse. Mais pendant des années, elle a eu envie. Ouais. Pourquoi tout à coup ça change sur ces histoires d'amour en plus? Moi, ce qui m'a étonné, c'est la glorification du cocufiage. Mais oui, on s'en fout, moi je m'en tape de cette histoire. Non, pas why not. J'ai trop de respect pour elle. Parce que c'est toi qui as cette image-là, mais en même temps, si un mec te plante comme ça, t'as envie de le dire sur dans. Oui, tu le dis une fois, tu fais pas 10 interviews. Sauf que c'est Adjani, donc t'en fais 10. C'est une grande dame, quoi. Une grande dame, elle fait pas 10 interviews sur le fait qu'elle est plus avec son mec et qu'elle est cocu. Je suis désolé. Tellement pas ça que moi je connais. Oui, mais ce qui a envie de cette tournée et elle tourne pas. Voilà. Elle tourne pas. Voilà. Pourquoi? Ben, j'en sais rien, mais elle parce tourne pas. Parce qu'elle reçoit pas. Donc comme elle tourne pas, elle reçoit. Elle a quand même envie de faire la une. Elle a envie de faire la. Mais tout le monde la connaît. Elle a envie de faire la une des magazines. Mais si elle a envie et comme elle tourne pas, ben elle parle de Jean-Michel Jarre parce que elle peut pas parler de son film. Mais c'est vrai. Attends, excuse-moi. Non mais attends, excuse-moi, Yamina, c'est la vérité, ça. Thierry dit, moi j'ai morflé parce que je faisais interview en journal qui ne me correspond pas alors qu'on sait que c'est un type cultivé, etc. Et elle morfle parce que c'est une immense comédienne, une immense star, une beauté incroyable. Elle raconte que Jean-Michel Jarre lui a pas envoyé de SMS. C'est lamentable. C'est pour ça qu'elle mange ses dents. Parce que ce qu'elle montre d'elle n'est que le côté noir de la chose, le côté négatif, le côté pathétique. Enfin, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais les moi j'ai fait sa connaissance. Les faiblesses humaines.
Excuse-moi, il y a Bourges qui veut parler, c'est quand même lui. J'étais président. C'est le président. Il veut bien écouter les femmes, les arabes, les beurs, les blacks et tout. Il y a un moment, ça le fatigue, Hervé. Yamina, tu mets ton voile. Voilà. Très bien. Vas-y, Mohamed, à toi. C'est vrai qu'à Canal, tu as donné beaucoup de liberté aux gens et tout le monde t'en sait gré, évidemment, tu le sais très bien. Mais moi, j'ai peur quand même, si tu veux, sur France 2, que le jour où ça soit privatisé, on n'ait plus la même liberté. Mais c'est une formule bâtarde aujourd'hui, parce que c'est à la fois la redevance, à la fois la recherche de l'audience. À un moment, il va falloir trancher là-dedans. Oui, c'est pas possible pourquoi, de continuer attendez, avec les deux. Pourquoi voudriez-vous, attends, pourquoi veux-tu qu'on soit obligé de trancher entre l'audience... Parce qu'on dit qu'il faut faire du service public, il faut faire de la qualité, en même temps, on regarde l'audience le lendemain. Donc c'est pas possible de faire les deux en même temps. On peut pas concilier les deux. Mais bon, si demain France 2 est privatisé, jamais la nuit blanche, une émission sur l'art contemporain qui est une fête populaire. Passera sur une sur ça passera sur chaîne. France 3 c'est pas faire l'apologie de la nuit blanche pas toi ça passera sur France 3 il y a pas de souci. Pourquoi je ferais pas l'apologie de la nuit blanche? Attends, c'est une grande réussite, c'est la fête de la musique version art contemporain. Elle est camerounaise en même temps. Oui, dis-moi voilà. Alors le problème si tu veux c'est que il y a un président de France Télévisions qui a souhaité effectivement de faire de France 2 l'équivalent de TF1, qui a souhaité ça. Mais disons-le, qui est un incompétent, n'ayant pas de mots. Qui n'est pas du tout incompétent, mais qui a tenté quelque chose qui, effectivement, a foutu un petit peu les jetons à TF1. Et on lui a dit dehors. Tu penses qu'Elkabbach a été viré parce qu'il a essayé de rivaliser avec TF1? Oui, voilà, c'est parce qu'il s'en est donné les moyens en engageant. Il avait une bonne partie des animateurs, ils essayaient d'aller plus loin. Et je crois que c'est comme ça qu'on construit aussi une concurrence à TF1. Bon, ça, on lui interdit. Donc, on met un frein là-haut, il ne faut pas aller là. Et en même temps, il faut quand même gagner 50% de sa vie, ou presque, avec la publicité. Il y a quelque chose qui déconne, là, qui est fondamentalement pas bien. D'autant plus que, par ailleurs, les politiques, démagogiquement, n'augmentent pas la redevance en fonction des moyens nécessaires au service public et un sous-financement endémique. Alors moi, je prône pas, je prêche pas pour la privatisation. Je suis pas Lagardère, je m'en fous. Je dis simplement, voilà, moi j'ai trouvé une idée, comme ça, il me semble résoudre ce problème-là, qui permettrait au service public d'être complètement dégagé de publicité. Maintenant, s'il y a d'autres idées, tant mieux, autant les prendre. Mais il n'y en a pas. Moi, je suis d'accord, et en plus, je ne comprends pas pourquoi on continue à créer des chaînes publiques. Pourquoi est-ce qu'on va créer France 4, là? Mais qu'est-ce que vous avez contre le service public? Mais non, mais on va arrêter à un moment de créer des chaînes de service public. Mais pourquoi? Le rôle de l'État, c'est pas de créer des chaînes de service public. Mais pourquoi? L'État n'est pas là pour ça. Pourquoi? Moi, si tu veux, je vais te dire. Au début des années 80, j'étais assez libéral. Parce que tout était étatique en France. Il n'y avait pas de radio privée, pas de télé privée, pas de compagnie aérienne privée. Tout était étatique. Donc c'est vrai que j'étais assez partisan du libéralisme, etc. Et puis j'ai vu ce que c'était. J'ai vu que finalement, les compagnies privées d'avions, les lignes intérieures, c'était pire que Air Inter, si c'était possible. C'était encore pire. Et puis j'ai vu que TF1, le mieux-disant culturel, bah, la télé devenait moins bien. La télévision a un rôle social. La télévision n'est pas là que pour enrichir les actionnaires. Bravo. La télévision a un rôle social. Sans parler Jean-Marc, sans parler d'école du peuple. Parce que longtemps on a cru, et Michel Pollack en a été le... Longtemps on a cru que la télévision pouvait être l'école du peuple. Bon, je pense pas que la télévision... Mais quand même, elle peut apporter aux gens quelque chose. Si la télévision ne sert qu'à enrichir les actionnaires, c'est très grave, on s'en fout. Mais qui a dit que la télé était faite pour être juste un outil pédagogique? C'est fait pour dire. Non, on l'a pas dit juste. Voilà, la télé, c'est aussi fait pour divertir, c'est fait pour s'amuser. Oui, mais c'est aussi. Mais en même temps, si tu veux, moi, si je dis. Alors, je vais te dire un truc. Si je dirigeais le service public, ce que je dirais aux producteurs, je leur dirais voilà. Ça arrivera dans 2 ans, Thierry. Toutes les émissions sont possibles, à condition qu'elles apportent toutes quelque chose aux téléspectateurs. Si vous me faites un jeu, ok, bravo. Il faut que ça apporte quelque chose de... D'accord. Un contenu culturel. Culture et déconne. Vous faites une émission de variété, il faut que ça apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si je dirigeais le service public, j'aurais pas de problème, parce que le critère de choix, ça serait que les émissions apportent quelque chose aux téléspectateurs. C'est même pas... Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des variétés, des jeux, des machins, on s'en fout. Mais toujours le contenu. Les variétés, ça amène quoi? Les variétés de Daniel Lombroso, genre choisissez votre chanson, ça amène quoi? Je te dis, si je dirigeais le service public, je te dis pas... C'est pas le cas. Moi, ce que je ferais, c'est que je dirais à Daniel Lombroso, vous êtes une animatrice formidable, faites-moi des chansons le samedi à 20h50, parce que c'est génial, on a envie de voir des chansons le samedi. Mais démerdez-vous.
démerdez-vous que votre émission apporte quelque chose, qui est une plus-value culturelle. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, un supplé, ce qu'on appelle un supplément d'âme. Et si tu veux, ce que je regrette dans l'approche que tu peux avoir ou dans celle-là, c'est que pour vous, bah, la télé finalement, bah, pourquoi s'emmerder à porter des choses aux gens ? C'est que tu lui dis en même temps de faire plus de 15% de part de marché parce que tu as besoin de te vendre ta pub avant et après pour faire vivre ta chaîne. Et, c'est là où le débat est faussé. Juste pour parler de culture à la télé, etc., on est d'accord que, comme font certaines chaînes, il ne faut pas diffuser un spectacle de danse en intégrale comme ça. Il faut savoir biaiser. Thierry, il biaise parfaitement. Bah, c'est parfait. Moi, mais Durand, il fait combien par de marché ? Il fait quoi, Durand, avec Antilles ? Mais parce qu'il nous apprend rien. Oui, mais y a parce que d'abord, il invite Adriana Carambeu dans une émission littéraire. Thierry, moi, une anecdote. Il n'y a que les mecs qui parlent ici. Je voudrais juste vous raconter. Non, jamais. Bravo, bravo. Voilà le résultat de votre politique. On n'arrive plus à en placer une. Moi, je présente une émission sur France 5 qui marche bien, qui s'appelle Ubi, qui marche bien compte tenu des exigences de France 5. Et voilà, on traite de l'actualité culturelle, sous, vraiment, c'est très, très large. Et voilà, régulièrement, je me fais arrêter dans la rue par des jeunes des cités qui regardent France 5, qui m'appellent Madame Ubi. Et la semaine dernière, il y en a un qui m'arrête, qui me dit « Madame Ubi, c'est vachement bien, vous avez parlé d'un truc intéressant. C'est une sorte de Starac de la musique classique, c'était trop la classe. » En fait, c'était quoi ? C'était un sujet sur l'Académie de William Christie. Effectivement, même mode de sélection que la Starac, des jeunes artistes lyriques sélectionnés, etc. Il fait un spectacle avec eux. C'est la Starac version classique. Eh ben, moi, j'étais fière de mon émission parce que grâce à ça, un jeune de cité va regarder 3 minutes de musique classique. Parce que quand tu es sur France 2, il faut faire de la part. Et c'est ça le vice. C'est ce que j'explique, c'est ce que je dénonce. Attendez les mecs, moi je suis sur France 2, je peux en parler. C'est pas un vice. Je t'explique un truc. Je fais par exemple sur France 2, dans Tout le monde en parle, je mets une chanteuse, un philosophe, un acteur. Le philosophe, au moment où le philosophe arrive à l'antenne, l'audience descend. Mais grâce à la chanteuse et à l'acteur, ça fait une bonne moyenne. Bon, si je suis sur TF1, le mec va me dire, on a vu vos quarts d'heure là samedi. Au moment où il y a le philosophe, ça descend. Si vous évitiez le philosophe, pourquoi vous ne passez pas directement de la chanteuse à l'acteur ? Il a raison. Bien sûr, Thierry. Tu l'as déjà vu. Et la différence. Mais si tu es la sur différence. Un service public sans pub, on va te dire, virer la chanteuse qu'on voit partout. Non, on n'a jamais vu de philosophe nain hydrocéphale dans ton émission. Je vais te dire, non, si je suis dans un service public sans pub, je fais plus d'audience. Ça fait 2% de part de marché. C'est-à-dire que le fait d'être obligé de faire de l'audience nous oblige à être grand public. C'est-à-dire le jour où il n'y a plus de mesure de l'audience sur le service public, on va faire 7%. C'est très facile de faire 7%. Tu vois, il suffit de faire n'importe quoi, tout le monde faire 7%. Pour arriver à faire 30, il faut déjà se lever de bonne heure. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des programmes, je ne dis pas qu'ils sont extraordinaires, mais si tu veux, d'inviter Glucksmann, d'inviter Orsena, d'inviter Dormesson, d'inviter Solers, d'inviter Lévy, d'inviter Welbeck. On les met entre un chanteur et une star du porno, et puis ils sont là, ils voient un grand public. Donc grâce à nous, le public le connaît. Voilà. Grâce au porno, la philosophie se propage. Mais tout à fait, c'est vrai. Toi, tu parles bien. Je suis heureuse d'être venue à ta table. Je dois partir malheureusement parce que le devoir m'appelle. Mais oui, je vais faire les journaux de nuit sur TF1. C'est bien, je suis un peu une travailleuse de la nuit. Hein. Je suis femme de ménage à TF1. En fait, elle est femme de ménage à la Défense. C'est l'envers du décor. C'est l'envers du service public. Je file à la mairie, parce que ça avait le décalage horaire. Je file à prime time aux États-Unis quand même. Donc, je voudrais savoir si tu présentes le journal comme ça. Mais dans cette tenue, parce que là, franchement, c'est une vraie révolution à la télé, là. C'est l'audience. Non, je te rassure, j'ai pris ma veste de Claire Chazal. D'accord. À bientôt. Bah, elle est sympa, hein. C'est honorable. C'est ça, la candidature de quelqu'un lancé par l'Élysée. Il lui faudra un candidat fort pour pouvoir s'opposer à l'Élysée. Oui. Je propose que ce soit toi. Mais, moi, alors, qui vote pour Thierry, alors ? Je passe. Vous êtes trop politique. Devoir de réserve. C'est clair. Le CSA ne nommera jamais quelqu'un qui n'est pas validé par l'Élysée. Alors vous allez me dire que je me suis tu pendant un long moment parce que il y a des gens qui ont dit des tas de choses que je pensais, donc c'était pas la peine que je m'exprime.
le CSA a la possibilité de nommer des gens qui ne plaisent pas toujours au pouvoir, mais il ne nommera jamais quelqu'un dont le pouvoir ne veut absolument pas. Voilà. C'est-à-dire voilà. que le Exactement. Pouvoir, qui est l'actionnaire unique de des chaînes, peut contraindre le financement de ces chaînes. Exactement. Voilà, voilà, c'est tout. Alain dit, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on nomme plus de gens de programme en tant que directeur de chaîne, en particulier, on nomme que des gens qui sont des apparatchiks. En gros. Non, mais en même temps, c'est le propre de la télévision, ça a toujours été comme ça. Pas toujours. Des groupes étaient quelqu'un qui suivait les programmes. Lescure était quelqu'un qui suivait les programmes. Non, mais pas de spaghetti ou Lescure. Zemmour, c'est des journalistes de formation. Pas toujours. Zemmour, pardon. J'ai des journalistes et j'ai des présidents des RFI de TF1 de France Télévisions, quand même. Oui, oui. Est-ce que c'est pas dommage? Il y a une tradition comme ça, des journalistes à la tête des chaînes du service public qui est en train de se perdre. Dans ce domaine, je vous rejoins, je ne sais pas du tout ce qui se passera au mois d'août. Je dirais simplement que M. Lelay est président de TF1 depuis 18 ans, que M. Tavernos est président depuis 17 ans, ouais. et qu'à Canal, pendant 15 ans, vous avez exercé des fonctions de responsabilité avec Lescure, et que la continuité est importante dans une entreprise. Alors, sur le fond des choses, pour reprendre ce que vous dites, moi, je suis, pour des professionnels, à la tête des entreprises de télévision, qu'elles soient public ou qu'elle soit privée, à la restriction près, qu'on peut très bien trouver un énarque de qualité, c'est le cas de Tessier, et qu'on peut trouver, je ne donnerai pas de nom, des journalistes qui sont de bons journalistes et qui sont incapables de diriger des chaînes de télévision, parce que c'est un vrai métier. D'ailleurs, Pierre Lescure, un des problèmes de Pierre Lescure, c'est que ça a été un formidable patron de Canal, mais le fait de ne pas venir de l'entreprise... a sûrement été une des raisons. Il n'a pas trouvé son directeur général assez tôt, et peut-être c'était pas le bon nom. Non, mais voilà, c'est ça. En tout cas, il est arrivé beaucoup trop tard. Plutôt peut-être, mais c'est vrai que Pierre a payé le fait d'être journaliste et de ne pas avoir été un entrepreneur. Quand tu n'as jamais dirigé de société, quand tu n'as jamais été en contact avec le cash flow, la marge brute, la marge nette et tout, c'est difficile de diriger une boîte, quoi. Mais tu vois, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que... Un café ? Non, j'aimerais bien entendre autant de motivation, par exemple, sur la problématique de la non-visibilité des minorités. On est sans loi, on est sans quota, on est sans rien. Je ne vois pas sur qui on peut compter pour que ça change. Il faut 150 ans pour changer les mentalités, c'est-à-dire je fais en sorte que quand Navarro rentre dans pharmacie, le pharmacien est noir. On ne te dit pas de mettre des noirs comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Le type populaire, le type le plus populaire, c'est un petit arabe, c'est Jamel Debbouze. Le sportif c'est Zinedine Zidane. Et le mec était pour les quotas, jamais. C'est Dieudonné. Pardonne-moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça du tout. C'est Dieudonné le premier avec Calixte qui a dit il faut des quotas. C'est pas vrai du tout. Et moi, je trouve ça. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Pardonne-moi. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Après, je te laisse parler. Arrête une seconde. Si on commence à compter les par couleur, on va compter les roux, on va compter les diabétiques, on va compter les juifs. Je suis totalement contre ça. Je déteste le comptage. Alors, écoute, je déteste ça. Je suis absolument d'accord avec toi sur le fond. Je déteste la solution sur la forme. C'est pas avec des lois qu'on fait les choses. C'est avec le talent. On sera obligé de faire des lois. Voilà. Moi, j'y crois pas. Moi, je vois les gens qui perdent leurs cheveux. C'est quoi? Attends, excuse-moi. C'est quoi ces fraises là? C'est génial là. C'est quoi? Ça, c'est les premières fraises qui viennent d'arriver. C'est la Garriguette de Plougastel. C'est toi qui as fait ça? C'est toi qui as fait le bouquin? Ouais. Vous avez une dégustation autour des fraises. Vraiment. Bravo. Bah, merci. Hein. Tu vas. Super. C'est édifiant. C'est édifiant. À compétence égale, quand tu sors de la banlieue et que t'es bac plus 7, c'est pas que t'as pas de boulot. Tu n'as pas d'entretien. Je suis absolument d'accord avec toi. Je te dis juste malheureusement, ce que je dis, c'est comme nous en télé, ta solution est une fausse bonne solution. Comme nous en télé, il y a des fausses bonnes idées. Elle a existé dans le monde entier. Il n'y a que la France qui refuse. Comment tu veux faire? Il n'y a que la France qui refuse. Malheureusement, comment tu veux faire? Malheureusement, Thierry, je ne sais pas. En Amérique, ils ont dit, voilà, quand il y a 5 mecs dans un feuilleton, il y en a un qui doit être noir. Eh bien, je vais te dire ce qui s'est passé. T'es juste contre, t'as pas de solution. Ça a permis à des mecs de se faire connaître. C'est quand je te dis que la télévision, comme disait Thierry, c'est un des vecteurs les plus importants d'intégration sociale. C'est-à-dire que quand tu es à la télévision et que tu regardes un feuilleton banal, on s'en fout que c'est bon, pas bon, mais qu'effectivement, le héros, je te dis, Navarro, pousse la porte d'une pharmacie et que le pharmacien est noir et tu te dis pas, tiens, il est noir, il va se passer un truc, il va sortir un flingue,
Eh ben non, il est juste noir parce qu'il y a des pharmaciens noirs. C'est toi qui dis dans ton bouquin, la télé, c'est comme l'eau du robinet, si elle est infectée, c'est terrible. C'est Godard, c'est pas moi. C'est Godard. C'est dans mon bouquin, ouais, c'est dans Godard. Ton bouquin, mmh. Mais c'est ça. Mmh. C'est ça. Mmh. Et le problème, c'est de désinfecter l'eau, c'est tout. C'est vrai que le problème, à un moment, on risque de se dire, ce mec-là, il est en place à cause des quotas et non pas parce qu'il a du talent. Je crois que c'est ça le risque. Eh ben, je m'en fous si mais non, je suis mais c'est en place, dommage. J'ai pas de talent. C'est dommage. Mais on n'en est pas là. On a tellement de choses à se rattraper. On pas virer du jour au lendemain tous les gens en place qui n'ont pas de talent, on quand doit, même. On doit redresser. Ça va faire des trous, là. Ça s'appelle l'égalité des chances, Philippe. 80% des blancs à la télé n'ont pas de talent. Je te rassure. 80%, ça fait beaucoup. Et oui. T'es avec Julien Lepers. C'est-à-dire qu'il y a 70% à TF1. Et tu te rappelles du petit mec qui avait des boutons qui étaient contre un mur et qui avait des gatillots? Non. C'est Benabar. Ah ouais. C'est Benabar, ouais, qui était. Et il sortait une vanne tous les trois jours. C'est-à-dire qu'au moment de l'âge d'or, tu te souviens, Alain, ouais. On était la toute petite chaise. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait plein de blé à cette époque? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait plein de blé? On dit que le blé était jeté par les fenêtres. Moi, je vais te dire comment c'était. Est-ce que c'est vrai? Ah, je vais te le raconter parce que j'y étais. Je vais te le raconter. Pour faire augmenter mon assistante, qui était Clarisse, de 300 francs, c'était impossible. Mais un tournage à Saint-Brieuc, où les 4 billets d'avion coûtent plus cher qu'à la New York, il n'y avait aucun problème. Il y avait de l'argent quand l'argent était à l'antenne, tout sur l'écran. Jida s'était payé environ 150 000 francs vers la fin de mes par ailleurs, je ne sais pas le début, j'ai oublié tout ça. Quand je suis allé chercher Guillaume Durand, il gagnait lui 300 000 francs. 100 000. Et donc, je l'ai payé 220 000. 40 000 euros. J'ai fait baisser, il a accepté de baisser. Il y a eu des grosses erreurs quand même. Hein. C'est énorme. Moi, je suis pas d'accord. Tout le monde dit que De Greff était le génie de la télévision, mais payé Durand 220 000 quand même. Moi, je suis pas d'accord. C'est la seule chez qui il a coupé. Allez, c'est l'heure, non? Allez, bah. Allez, moi, j'ai un quota à respecter. Bon. Ouais. Un quota sexuel. Non, je passerai à dîner un coup. Ouais. Si un jour tu veux quelque chose de spécial en pâtisserie, un truc, n'importe quoi, t'hésites pas. Cool. C'est pas parce que tu appelles Laurent Baffi, c'est parce que t'es sympa. Gentil, allez, bonne soirée. Salut. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.